Bonjour à tous, c'est YoPlayStart, on se retrouve pour le chapitre 20 de notre Let's Play sur Kingdom Hearts, premier du nom version PS2 en français, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, mes petits amis, je suis ravi de vous retrouver dans cet épisode. Et nous nous retrouvons dans la ville de Traverse avec cette musique apaisante. Ah, ça fait du bien de revenir ici. J'adore cette musique. Donc le but étant de refaire un petit tour, un court petit tour dans cette ville. On va retourner la voir si on avait tout acheté, s'il y avait des choses à compléter peut-être. Je veux acheter. Alors, au niveau des potions, on en a 4. Des potions de plus, on en a pas mal. Tout ça, c'est bon. Les tentes, bon, j'en ai pas vraiment utilisé. L'étoile du matin, maintenant, c'est un petit peu dépassé. Par contre, le bâton de mage, tout ça, on a bon, on est bon. Marteau de fer, tiens. Ah si, il est disponible du côté de Donald. Là, c'est bon. Targe de Mithril. Ouais, je crois qu'on a tout. On a tout à part la targe de Mithril. Donc de ce côté-là, c'est bon. On va aller dans la boutique de Mog. Parce que ça fait aussi un moment qu'on n'a pas fait. On va d'ailleurs... on parlera à Sine un petit peu plus tard. Alors, la boutique. La boutique du Mog. Allez, on synthétise. On peut regarder... C'est vrai que je vous avais pas vraiment montré jusqu'à présent tout ce que j'avais fait. Dans tous les cas, bah, la chaîne d'or, c'est pas possible puisque on n'a pas de roc de force ni de roc Yalin. Poignet magique, on n'en a pas. Et peut-être qu'on pourrait le prendre, ce poignet magique. Allez, on va tenter, je veux ça. Ça, c'est pas possible. Méga potion, ça, c'est possible. Allez, on en prend une. Et bim! Et le reste, on a quasiment... J'ai quasiment tout pris. Il ne manque plus que le bracelet d'ange. Tant pis, hein. Je suis pas certain que ça soit vraiment nécessaire d'avoir tout dans cette boutique. Mais c'est vrai que j'avais envie de comparer, savoir s'il y avait des choses qui étaient intéressantes pour notre équipe, notre trio. Visiblement, là, on a à peu près tout fait. Donc, ce que je vous propose, c'est de retourner. Hop là. Oh là là, c'est top. Faire ça dans la maison du mage de Merlin et on va aller voir ce qu'il se passe là-bas. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on peut peut-être le faire maintenant. On va invoquer. Alors, le génie, c'était bon. Dumbo, on l'a pas vu encore, lui. Ça changera un petit peu. Ah ouais, juste trop classe l'invocation. Et tiens. Ah ouais, ça déboîte. Bon, c'est dommage. Allez. Elle est pas mal sa voc, hein. À l'attaque. Elle est vraiment pas mal cette invocation. Ben voilà. Reste là, c'est qui reste. Non, c'est bon. Elle est pas mal du tout cette invocation, j'aime bien. Alors, je vous rappelle qu'on avait la dernière fois fini le monde imaginaire de Peter Pan, Neverland. On avait clôturé tout ça, hop là. On avait aussi récupéré Clochette, hein, qui nous accompagne tout simplement. La Miss Nugget a décidé de venir avec nous pour nous aider à retrouver notamment Kairi. Voilà, on avait aussi terminé le Colisée de l'Olympe avec Hercule, on l'avait battu, ce qui nous a permis d'ailleurs de débloquer cette marque de trio jaune, qui va nous permettre de récupérer ce coffre tout là-haut. Hop là! Ou pas. Allez, un petit effort. Allez. Allez, un effort. Allez, Sora, s'il te plaît. Fais pas le pitre. Oh non, c'est pas vrai. Ça va être un calvaire. Je le sens. Mais non, mais genre, c'est... C'est fou. C'est fou.
pas. Ok. Eh les gars, arrêtez de bouger là, vous me perturbez déjà de une. Non, mais c'est pas vrai, mais... Ok, alors en soi, finalement, c'est beaucoup plus dur de récupérer ce coffre que de... d'avoir la marque de trio jaune. Allez, on bouge plus. Ok. Ok. Bonus d'attaque. Fais pas le pitre, Donald, sinon je t'avoine. Alors, il y avait un coffre aussi qui se trouvait tout là-bas. Essayez de... Hop. Magnifique. Ça y est. Ah ouais. Genre, ils ont fait ça. Ils ont mis un trou juste derrière le coffre. Histoire qu'on se ramasse bien comme il faut. Ok, donc dans tous les cas, on a un peu de temps dans cette vidéo, puisque... ce monde, cette vidéo va être plutôt calme. Quoique, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il va falloir que je sois patient, j'ai l'impression. Oh non, mais non, mais genre, mais... ça, c'est la pire idée qu'ils aient eue. Ça, c'est la pire idée qu'ils aient eue dans le développement. Recommencer 15 fois un truc, ça, c'est un truc qui m'agace. Mais alors, très, très fortement. Je suis pas quelqu'un de patient, mais ça, vous l'avez peut-être compris. J'aime bien que les choses aillent assez vite et assez bien. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, on va rester calme. Parce que c'est... si je m'énerve... c'est en m'énervant justement que ça va s'empirer. Restons calmes. Restons calmes. Voilà. Alors, ce coffre qu'on peut débloquer, disponible, qui est juste là, qui nous attend. Mais non, mais je... punaise. Et des fois, vous voyez, quand c'est comme ça, il y a moyen que je reste un quart d'heure sur un truc qui pourrait prendre 2 minutes. Ok. Allez, on se concentre. On se concentre. Yes. Alors, on va pas sauter trop. On va pas sauter trop. Parce que si je saute trop, je vois pas la corniche. Mais non ! Au bout de quelques minutes, j'ai fini par y arriver. Quelques minutes de trop, bien évidemment. Allez, ça m'a donné un petit coup de chaud, mais c'est pas grave, on continue. Tout ça pour quelques dalmatiens, je vous jure. Allez, nous revoilà donc ici, il me semble qu'on a Clochette à déverrouiller. Alors Clochette, elle est où Clochette? Allez, on va aller voir la bonne fée. Ou est-ce qu'elle est déjà peut-être déverrouillée? Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, mon monde aussi a disparu. Ok, c'est pas la peine. Et nous revoilà dans votre monde préféré, qui est celui de la forêt des rêves bleus. Puisqu'il nous restait pas mal de choses à faire ici, et dont on a une page, et je ne me souviens plus, c'est peut-être ce pont où c'est qu'il faut aller déjà, je ne sais plus. Est-ce que c'est cet endroit? Balançoire, c'est pas ici. C'est pas ici. Peut-être ici. Bonne idée. Allez, on va aller voir. Je crois que c'est là. Je crois que c'est ça qui nous restait à faire.
Ah, ce truc-là, je n'aime pas du tout. Mon coin a bon. On va pouvoir bondir toute la journée. Y'a rien de mieux que de bondir. Tu veux bondir aussi, Sora? C'est très drôle. Amusons-nous. Ok, allez, on va bondir avec eux. Pour bondir avec les meilleurs, il te faut les instructions du meilleur. Allez, Maître Hibou, reviens à notre rescousse. Mais Maître Hibou, tu ne sais pas bondir comme nous. Tu as raison. Il est vrai que je ne peux pas être le meilleur en tout. Je suis trop fort, mais j'ai des petits défauts. Bondis après moi, veux-tu? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bondir avec lui. Bondissons ensemble, mon ami. Les bonds de Tigrou bondissaient d'un point à l'autre en suivant le parcours de Tigrou. Voici un petit échauffement. Il va falloir retenir tous ces bonds, j'ai l'impression. Ok, donc ça me paraît pas trop difficile. Je pensais que j'avais là en fait la commande planée, mais apparemment elle n'existe pas dans ce monde. C'est des petits malins. Alors. Mais non. ouais, comment on fait? On fait comme ça, c'est ça, on se gratte la tête. Et ça, c'est l'entraînement? Ça va être bien. Allez, on va se concentrer un peu. Alors, on va y aller tranquille, parce que j'ai pas envie de recommencer 15 fois. Chaque saut va être laborieux, je pense. Et voilà. Magnifique. Ensuite, quelle est la suite, mon ami? Là, ça se complique. Alors, après c'est là. Ok, c'est bon. Après c'est là. Là, là, là. Oh là là. Ça va le faire. Le plus dur est presque fait. Ya ya. Ensuite, je crois que c'était ici. Caméra, tourne-toi s'il te plaît. On revient sur nos pas. C'est là que ça va être compliqué. C'est bon, ça passe. Yes. Ensuite. Tu es fantastique, c'est le dernier. Ah ouais! Alors là, ça va être costaud, là. C'est ici que ça se complique, puisque je ne sais absolument pas où faut atterrir. Trop loin. C'était pas celui-là du tout. C'était, en fait, c'est celui qui est juste avant. Mais c'est chaud, là, depuis le haut, de voir où ça nous emmène. Alors, il va nous remontrer la séquence. Ça a l'air simple, hein, quand on le voit faire. C'est vrai que c'est tellement simple. Comment ça, non? Mais genre, pourquoi non? Ah non, mais le jeu, tu te reprends là parce que ça va chier sinon. Ah
Ok, donc là, ça va se compliquer gravement, mais... Magnifique. Quel monde passionnant. Ah, la vache. Je vais pleurer. Oula ! Il faut pas se louper. Alors là, il faut pas se louper. Là, il faut pas se louper du tout. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui, maintenant ? Tu es un bondisseur hors pair, Sora. Magnifique. Alors, excusez-moi quelques petites secondes, parce que j'ai chaud. Ça fait de... bondir m'a donné très très chaud. Pas vrai, petit gourou ? Ok, c'est tout ce qu'on a. On a bondi. Donc, je sais pas à quoi ça correspond. Qu'est-ce que ça a fait de plus ou de moins ? Quoi qu'il en soit, c'est quoi si je vais là-dedans, là ? Ok. Alors, on va visiter très très rapidement ce monde. Je suis pas sûr que ça soit vraiment la suite de la forêt des rêves bleus officiellement. Je suis pas certain que ça passe, qu'on est obligé de faire ce truc. Oui, cette chose là que vous voyez, pour continuer l'aventure. Mais je vais tenter le risque. Je me demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Dis-moi. Je veux savoir. Qu'est-ce que c'est quoi ? Ce truc-là, je crois qu'on peut monter dessus. Ouais. Alors, parlez. Je vois cet arbre n'a pas de miel. Alors, peut-être que toi, il faut peut-être aller chercher du miel, d'accord ? Je pense comprendre. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose à faire ici ? Des noix rares, que c'est sur ça, je te donnerai quelque chose si tu m'en rapportes. Ok. Et ça fait quoi ça ? Il y a un truc là. Mais non! Ça, c'en est une, ça, de noix, là. La noix à la con. Ouais, allez, laisse tomber, ça me saoule. C'est en train de me saouler grave. Hein. Ah, d'accord. C'est la forêt du cauchemar, je vous le dis. Noix, on en a une. Magnifique. Allez, on va lui donner, comme ça il sera content, notre maître hibou.
Oh splendide, voici quelque chose en échange. Bonus attaque. Ah ça c'est cool par contre. Ça c'est par contre bien cool. Alors effectivement c'est compliqué, mais une fois qu'on arrive à s'en sortir, c'est vrai que ça donne des trucs assez sympathiques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce qu'on peut monter dans les arbres tel Tarzan? D'ailleurs c'est vrai qu'avec la compétence planée c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, encore une. Et celle-là, je suis pas certain qu'on puisse l'avoir. En tout cas, de quel moyen on pourrait l'avoir, celle-là? Non, de toute évidence, c'est pas ici. C'est pas de ce côté, ça doit être de l'autre côté. C'est mieux, hein. Si j'avais pas eu la compétence planée, ça aurait été vraiment très compliqué. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire ça assez rapidement, du coup. Comment on peut l'avoir, celle-là, là? Je me demande s'il n'y a pas un truc à faire par contre avec le truc là à côté de Porcinet. On va essayer de voir ça parce que je pense que du côté de Winnie, il y a quelque chose à faire aussi. Ça nous amène à quoi ce truc là? J'ai pas encore tout compris là. Alors attends. Ah ok, j'avais pas vu. Allez, il y en a une ici. Eh, hey, tu te fous pas de moi. Hein. Bien, bien, bien. Ça va être sympa. Pourquoi on peut pas la récupérer, cette machine là? Ah mais c'est dingue, ils font des trucs qu'on peut pas récupérer quoi. Ouais, allez, laisse tomber, c'est pas grave. Je vais pas m'emmerder pour quelques noix. Bonus défense. C'est vrai que ça vaut le coup quand même d'essayer de s'accrocher un peu, même si c'est un peu casse-pied. Il y a un truc là-dedans. Mithril. C'est un truc, il y a plein de secrets ici. Hein. Allez. Oh la poisse. C'est la poisse grave. Genre trop la poisse. Ok. Yes. J'ai réussi à la voir. Il y en a encore une, je ne sais plus trop où. Elle est là-bas, je crois. Ah, il y a un coffre ici aussi. Là, il est bien caché. Ah.
Comment on fait pour accéder à cette noix là? Cette machine de noix là. Est-ce que ça serait pas ici? Ok. Winnie, Winnie, Winnie. J'aimerais bien essayer de monter sur cet arbre pour voir si on peut récupérer quelque chose. Mais non! Mais non! Mais pourquoi tu t'arrêtes? Oh là 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 là, par pitié, faites que ça s'arrête. Ce monde me rend dingue. En même temps, il y a de quoi. Ok, je pense que j'ai fait le tour ici. Hein. Il reste une noix que j'ai pas réussi à choper. C'est celle qui est par là, dans cet arbre là. J'arrive pas à la voir. Est-ce qu'on lui a tout donné à lui? Ok, donc bout de mitril, ça nous intéresse pas vraiment. Par contre, ce que je voulais faire, c'est utiliser ces objets justement. On va aller du côté de la malle, ça sera mieux. Allez, bonus défense, on va donner à Sora. Ok. Bonus PC, on va bien évidemment donner à Sora. Et bonus attaque aussi, comme ça, on est fin prêt. Oh, il y en a encore un. Magnifique. Oh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, allez, c'est bon. De ce côté-là, moi, je pense avoir réglé le truc. De toute façon, j'ai pas l'impression que ça va nous amener à quelque chose. Est-ce que, du coup, il n'y a pas un autre monde à déverrouiller, à tout hasard? Qu'est-ce qu'il restait à faire, au juste? Les abeilles. Non, ça, on a fait. Ça, c'est bon. Ça, on a fait. Il n'y a pas un truc avec ce pont, là? Je crois qu'on n'a pas trouvé la dernière page, en fait. Il est possible que j'ai pas trouvé la dernière page. Elle est où, cette dernière page déchirée? Pourquoi je l'ai pas trouvée? Non, ça, on l'avait fait aussi. Donc, en fait, il nous en manque une, là. Alors du coup, me revoilà ici. J'ai l'impression qu'on n'a pas réellement tout fait. Donc je vais reparler à Tigrou. Qu'est-ce qu'ils veulent, les deux, là? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a encore un truc ici à faire. Tu es un bondisseur hors pair, Sora. Pas vrai, petit gourou? Oui.
il est où l'autre? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse, le loustique là, le lascar? Parlez. Dit Tigrou, je pense qu'il est prêt pour le grand bond. Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ah voilà, il me semblait bien qu'on n'avait pas tout fait. Voilà le mini-jeu. Le pot de Tigrou renvoyait les noix pour briser le pot. Wow! Ok, il en faut 20 en tout, c'est ça? Je comprends pas. Je n'ai pas compris le jeu. Essaie encore. Ah, il faut pas vraiment bouger. Ok, ça combine les scores si on en fait plusieurs d'affilée. Ah non, il faut pas tomber du truc. C'est un calvaire. Ça va être juste chiant. Ben oui, mais... Bon, on va essayer de tenir le rythme. Je dis pas que je vais réussir, hein, parce que là, ça me paraît assez corsé. Parce qu'il faut vraiment pas tomber, et au moment où Sora vise et saute, il a tendance à avancer. Mais on peut peut-être vite avoir les 20, donc c'est ça qui me rassure. En combinant peut-être les scores, je ne sais pas. On est à 5. Non, ça n'a pas marché. On va se limiter au 20, je crois. Ça n'a pas marché non plus. C'est chaud. C'est horrible. Allez. On y est presque. Bon, on a fait la moitié. Ah non. Oh là là, j'ai peur. Mais tu vas les taper quand même. Ok. Allez, ça va marcher, ça va marcher. Faut persévérer dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. On n'a pas trop galéré, hein. Un petit peu, mais ça aurait pu être pire. Oh non. Attends, remets-toi caméra, s'il te plaît. C'est bon. Ça passe. Allez, donne-moi les 20, s'il te plaît, là. Qu'on en finisse. Qu'on en finisse, c'est un calvaire. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe là-dessous, là? Y'a quoi? Bonus PC. Allez, objet. Sora. Non, c'est pas Sora, c'est la malle. C'est pas ça. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Utiliser. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Allons essayer la balançoire. Papa? T'es parti où au juste, là, Tigrou? Il est parti où, le stick, là? Ok.
Qui voulez-vous jouer? Tigrou. Ah ok, on arrive là. Pourquoi on arrive là? On arrive là, c'est pour une bonne raison. C'est pour une excellente bonne raison. Et je n'ai pas encore compris la raison. Quelle est cette farce? Il y a un truc là-bas. Yes! On a eu la dernière. Oh, magnifique. Bon, je pense qu'on est bon, hein. Allez, on échange. Bonus PC. Bah là, je crois qu'on a tout récupéré, là, j'imagine, Maître Hibou. Je ne vois plus de noix nulle part. Ok, donc quoi qu'il en soit, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai l'impression qu'il nous manque une page pour terminer ce monde, la forêt des rêves bleus, du cauchemar. Ok, alors j'ai fait un petit détour, tout simplement parce qu'il me manquait une page, comme vous l'avez sans doute compris, donc, et pourtant, c'est un truc de dingue, parce qu'il me semblait avoir fait le tour, justement dans la cachette d'Ariel, j'étais sûr qu'il y avait un coffre-fort. Et il me semble en avoir déjà... Enfin, les avoir ouverts, du coup, et de les avoir tous ouverts. Et il en manquait tout simplement un. Et à l'intérieur se trouvait donc cette fameuse page déchirée qui nous permet de compléter et de tout simplement, normalement, finir ce monde, ce livre, et de fermer la page, le bouquin. On ferme tout. Il y en a marre. Allez, dernière étape. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Winnie? Chut! Pas de bruit! Où ils vont s'enfuir? Qui ça? Les gens qui ont emmené nos amis? Tu vois leurs empreintes? On restait tous ensemble pour être sûr que personne ne se perde à nouveau. Puis j'ai vu des empreintes que je devais suivre. C'est ce que j'ai fait. Soudain, tout le monde a disparu, sans doute enlevé par des méchants. À vrai dire, Winnie, je pense que ces empreintes sont... C'est pas grave, je t'aiderai à retrouver tes amis. Oui, ça, c'est sans doute les siennes. À force de faire le tour et le tour et le tour, tout, comme ça, c'est à un moment donné, c'est normal. Alors, de toute évidence, Winnie a perdu ses amis. Et je crois qu'il y en a un dans ses feuillages, si je ne m'abuse de souvenirs de mémoire. Bourriquet ? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche des bouts de bois pour construire ma maison, une fois de plus. Des bouts de bois pour ta maison ? Ça ressemble déjà à une maison. C'est pas faux. C'est l'endroit idéal pour réunir tous nos amis quand on les aura trouvés. Le chemin boueux aidait Winnie à retrouver ses amis en le guidant avec la touche R1. Bien. Ça va être bien. Alors, Winnie, tu es ici. Donc on va aller par là-bas. Si tu veux bien. Allez, viens. Viens, mon compagnon. Mon compagnon de route. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quelle jolie fleur, il faut que Winnie voit ça. D'accord. Ah, donc l'ami peut s'envoler avec ses fleurs. Incroyable! Magnifique! Je pense avoir peut-être loupé quelque chose ici. Allez, Winnie. Comment on fait pour monter, du coup? J'ai perdu Winnie. Comment on fait pour... Ah, mais que se passe-t-il? Tiens, regarde. Il y a un de tes copains, là. Maître Hibou avait l'air si déterminé que j'ai voulu le suivre. Mais alors, Maître Hibou s'est envolé là-haut et je me suis retrouvé tout seul.
Ok, ça fait deux. Parfait. Il nous en manque encore plein. Il est où, Winnie? Où es-tu, Winnie? Il est resté là où il était, d'accord. Alors, Winnie, cette fois, ce que tu vas faire, tu vas manger ces fleurs. Mange ces fleurs, Winnie. C'est bon pour toi, ces fleurs. Comme ça, ça te permet de t'envoler tel Peter Pan dans le monde Neverland. Palpitant. Ok, donc nous, on va pouvoir aussi, de la même manière... Voilà, sauter comme ça. Parfait. Alors, ensuite... Ensuite, Winnie, viens avec moi, Winnie. Hop. Lui, il est tout le temps en train de sauter, forcément. Allez, parlez. Arrête de... Oh là 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 là. Pourquoi il saute, lui? Faut qu'il arrête de sauter. Dites-lui d'arrêter de sauter. Mais non, je ne fais pas ces choses-là parce que c'est du grand n'importe quoi. Ah, merci. Comment on peut faire? Mais comment il s'arrête, lui? Ok, il va trouver du miel. Magie, peut-être. Brasier plus. Magie. Brasier plus. Brasier. Tigrou, s'il te plaît. Comment tu peux t'arrêter de faire ça? Je ne sais pas comment l'arrêter, Tigrou. C'est un calvaire, ce mec. J'ai aperçu Winnie qui s'éloignait, alors j'ai bondi après lui. Magnifique. Puis j'ai bondi un peu trop haut et j'ai perdu la trace du pauvre Winnie. Superbe! Ça fait 3. Oh mon dieu! Que ça va être fastidieux. C'est pas ici. Allez, promis, c'est le dernier monde et après on n'en parle plus, hein, de la forêt des rêves bleus. Ce sera le dernier. Alors, le truc, c'est que tu m'envoies ici. C'est vraiment parfait. C'est vraiment très très bien. Le seul bordel, c'est que. Il y a Winnie à aller chercher. Et Winnie. Il est obligé d'être vers moi. Allez, viens, Pépère, s'il te plaît. Est-ce que tu fais le reste tout seul? Il a pas l'air. Bon. Il a l'air bloqué. Le bougre. Il fait pas comme tout à l'heure qu'il monte pas tout simplement là sur l'arbre. Allez, pourquoi tu grimpes pas comme tout à l'heure là? Tout à l'heure t'as grimpé là. Pourquoi tu fais pas comme tout à l'heure? Je sais pas s'il est derrière moi. Oh si. Oh là là, magnifique. Allez, saute. Allez, viens. Viens, l'artiste. C'est par ici que ça se passe. Allez, mange une fleur. Allez, l'artiste. Voilà. On
va mettre 10 minutes à finir ce monde. Ok. Allez. Tiens, là, il y a Porcinet qui va pouvoir... Voilà. Bonjour, Porcinet. Winnie, où sommes-nous? Je ne sais pas non plus où nous sommes, Porcinet. Mais si nous reprenons le chemin inverse, on arrivera chez nous. Parfait. Ah, on a réussi à voir tout le monde. Allez, Maître Hibou. Il est où, Maître Hibou? Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il faut faire le chemin inverse ou faut parler à Maître Hibou? Ok, donc il faut revenir avec Winnie, j'ai l'impression. Ça va pas être simple. Ah si, c'est simple. C'est simple. Parlez. J'ai eu peur quand tout le monde a disparu, alors je me suis caché. On a tout le monde. Assurez-moi, on a tout le monde. Ok, ça sent la fin, les amis, de la forêt. Normalement, des rêves bleus. Non, c'est pas fini. Ça n'est pas fini. Ah, il y en a encore un ici. Ouais, mais lui, comment on peut lui parler à lui? Il est où, Winnie? Allez, viens. Voilà. Te voici, petit gourou. Essayer de bondir aussi haut que Tigrou. Ah, lui, il essaye d'imiter Tigrou, mais il a du mal, il n'y arrive pas. J'étais si occupé à essayer de bondir que je n'ai pas fait attention quand je bondissais. Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. Qui c'est qui manque à l'appel? À part Maître Hibou. Ok, il manque Maître Hibou. Je pense qu'il manque Maître Hibou. On est obligé de se retaper tout le chemin. Ça va être bien. Allez, viens par là. Ici. Allez, Maître Hibou. Parlez. Ça y est, on arrive au bout. Je pensais que je devais dire que de un petit gourou au sujet des bons. Et ensuite, à ma grande surprise, j'ai vu que j'étais perdu moi aussi. Mon Dieu! Quelle équipe de choc! Ok, on a fini. Eh ben, c'était un calvaire. Tout le monde est là. Bon, ça clôture au moins ce monde. Une nouvelle fois. C'est changé. La page déchirée s'est changée en un autre objet. Oricalque. Parfait, on a terminé, mes amis, la forêt des rêves bleus. Et ça, c'est cool, par contre. Je suis si content que nous soyons à nouveau tous réunis. Je ne savais pas quoi faire quand je me suis retrouvée tout seul. Oh, Porcinet, tu dois être courageux. Tu ne t'es pas senti seul? Seul? Tu plaisantes! Je suis un tigrou! Ce qu'il y a de merveilleux avec les tigrous, c'est que je suis unique. Mais je reconnais que c'est plus amusant quand on a des amis. Pense. Hé, hey Winnie, à quoi tu penses, là? Eh bien, je suis en train de penser à quoi je dois penser. Bon, ben, je m'en vais. Sora, où vas-tu aller? Je pars à la recherche de mes amis. Ils m'attendent. Reviens bondir quand tu veux.
J'espère que tu trouveras tes amis. Sora, n'oublie pas, si tu veux revenir nous voir, nous serons toujours là. Et c'est donc avec un petit pincement au cœur qu'on clôture définitivement ce livre de la forêt des rêves bleus en ayant aidé tout simplement Winnie à retrouver ses amis. Nous, on part finalement à la recherche des nôtres. Finalement, le plus important, c'est ça. Et je vous propose donc de terminer cette longue vidéo pour ma part, parce qu'elle est très très longue cette vidéo. J'en suis tout simplement à 1h30, alors j'imagine que je vais avoir pas mal de cuts à vous faire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est bien ensemble, tous ensemble mes amis. On est bien vous et moi, donc on va continuer quelques petites secondes, quelques petites minutes tout simplement pour se diriger auprès de Sid qui va tout simplement changer notre navigue Mi pour pouvoir aller à la forteresse oubliée. Donc pour ça on a besoin de changer quelques pièces, enfin, en tout cas c'est ce que j'avais compris. Et pourquoi pas se refaire un petit combat, tiens oui ça c'est une bonne idée, ça va nous refaire un peu de... Bambi, Bambi, Bambi. Tiens, on va prendre Bambi. Oh, elle déglingue cette invocation. Ok, donc le loustique, il nous donne des... Ah, il nous régénère des MP. Oh là là, comme c'est grave utile. Ouais, mais c'est un truc de dingue. Elle est carrément cheatée, cette compétence, là. Ah, excellent. Ah, vraiment, là, il y a du très très lourd avec... Non. Ah, c'est énorme. On peut pas être HS, du coup, là. Clairement. Ah ouais, mais alors là, pour le coup, Bambi, il va être super, super utile. Hein. C'est vrai qu'on l'avait pas encore pris depuis le départ. On regardera quand même un de ces quatre clochettes, ce que ça donne avec clochette. Mais alors, Bambi, ouais, là, je me rappelais plus de cette invocation pour ne rien vous cacher. Mais je crois qu'elle doit être beaucoup utilisée vu le... C'est une invocation de cheaté, tout simplement. Donc, Sid, le voici, le voilà, qu'on termine quand même cette vidéo. Et donc, on va lui parler pour changer cette pièce. On dirait que tu as trouvé le deuxième. Fais-moi voir. D'accord, attends. Je vais te l'installer tout de suite. Flower ! Et surtout, n'oublie pas ce que t'a dit Donald. Sans bouder et pas de visage triste. Pourquoi êtes-vous aussi confiant? Il n'y a toujours aucune trace de votre roi. Vous n'êtes pas inquiet? Non, jamais.
Le roi nous a demandé de partir à la recherche du porteur de la clé et nous t'avons rencontré. Alors, tant que nous resterons ensemble, je t'assure que tout ira bien. Tu dois simplement avoir confiance en toi, c'est tout. Avoir confiance ? J'ai confiance en toi. Où suis-je ? Jadis, la paix régnait et les peuples vivaient dans la chaleur de la lumière. Tout le monde aimait la lumière. Mais les gens commençaient à se battre pour se l'approprier. Et les ténèbres sont apparues dans leur cœur. Elles se sont propagées, engloutissant la lumière et nombre de cœurs. Elles recouvrirent tout et le monde disparut. Mais des fragments de lumière avaient survécu dans le cœur des enfants. Grâce à ces fragments, les enfants ont pu reconstruire le monde disparu. C'est le monde dans lequel nous vivons, mais la vraie lumière sommeille, cachée au plus profond des ténèbres. C'est pour cela que le monde s'est retrouvé divisé en de nombreux petits mondes. Mais un jour, la porte qui mène au cœur des ténèbres s'ouvrira et la vraie lumière reviendra. Souviens-toi, mon enfant, même plongé au cœur des ténèbres, il y aura toujours une lumière pour te guider. Crois en la lumière, et les ténèbres ne pourront jamais te vaincre. Ton cœur rayonnera de son pouvoir et repoussera les ténèbres. Comprends-tu, Kairi ? Kairi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Kairi ? Tu m'as appelé ? J'ai installé le Navigumi. Mais tu sais, l'endroit grouille de son cœur. Je t'aurais prévenu. Tiens, emporte ça. Ok, donc on a récupéré le bloc de transfert, il y a pas mal de choses à dire justement sur cette époque spéciale Kairi, on va dire. Donc Kairi qui ne vient décidément pas de l'île du destin, elle vient de cet endroit mystérieux avec visiblement sa grand-mère. Sora qui se rapproche de plus en plus d'elle, entre guillemets, dans son cœur. C'est comme s'il voyait ses souvenirs, c'est comme s'il avait en partie sa mémoire de disponible en fait. Et donc tout ça va s'éclaircir, va se clarifier dans les prochaines vidéos, mes amis, ça y est. Nous avons visité le dernier monde Disney, qui était donc Winnie l'ourson, c'est terminé. Maintenant, on va visiter le dernier monde de l'aventure, celui de la forteresse oubliée dans le prochain chapitre. Je compte sur vous donc pour continuer de me suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire voir que vous avez aimé le contenu que je vous partage, parce que celui-ci dure très longtemps, il va falloir que je le bosse un peu au cut. Avec les petits pouces bleus, je serais ravi de pouvoir vous répondre à l'aventure si vous me mettez des commentaires. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, si la chaîne vous plaît, que vous voulez voir la suite. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles épisodes, de nouvelles épopées, la continuité et peut-être la fin qui va arriver très très vite j'imagine, dans Kingdom Hearts. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à très vite. Allez, salut, bye.